j'espère que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Ça va même très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul de chez qui? Action. Action. De chez Action. Alors nous, on a vu plein de haul Action sur YouTube, on n'en a jamais fait. Action. Et là, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour là-bas pour voir ce qu'ils avaient, pour quelle période. Pour Noël. Ouais, pour Noël. Et on a acheté plein de petits trucs. Enfin, plein. Pas plein, mais on a, parce qu'on a déjà beaucoup de décorations pour Noël. Donc, on a voulu compléter un peu notre déco cette année. Donc, on a pris déjà, ce qu'il n'y aura pas dans la vidéo, on a pris quoi? Le sapin. Et oui, un grand sapin de Noël de 1m80 parce que l'autre commence à être à montrer un peu des signes de faiblesse. Donc nous, on a un sapin artificiel parce que Corentin et moi-même, nous sommes allergiques. Et oui, nous sommes allergiques au vrai sapin, donc c'est pour ça qu'on prend un faux. Et aussi, on l'a monté. Oui, et on l'a déjà monté sur le côté pour après le décorer. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas dans la vidéo, mais bon, c'est un sapin de Noël et vous le verrez de toute manière dans la vidéo du... Des cadeaux. Non, peut-être du sapin de Noël, quand on va faire un sapin. Bah oui. Bah ouais. Bon, aussi. Alors de toute manière, on a plein d'autres choses. Donc, par quoi on commence? Avec le petit truc. Avec le plus petit truc? Oui. Ok, donc on commence avec Corentin qui nous présente le plus petit truc qu'on ait dans cette vidéo, donc qui est déjà pas mal. C'est un petit... En fait, chaque année, on va acheter des petits trucs comme ça de village. Après, on va en faire un tout grand. Voilà, c'est ça. En fait, nous, on fait le sapin plus une déco. Et l'année dernière, on n'avait pas encore de village. Et cette année, on a vu que c'était pas trop cher chez Action. Donc, on s'est dit, on va prendre plein d'éléments pour faire un petit village. Donc, montre-nous un peu comment ça fonctionne. Je peux vous dire un truc. En fait, regardez le chapeau qu'il a là. Il a tout petit défaut, c'est bon, hein. Qu'il a un peu cassé le... Ouais, c'est donc pas là, il a deux petites LED et il y a la lampe qui s'allume. Voilà, donc c'est une petite déco qu'on va mettre dans notre décor, dans notre village, qui s'éclaire. Donc il y a deux petites LED, trois petites LED, donc une verte, une bleue et le lampadaire qui s'éclaire juste avec le bouton et ça marche avec des piles. Avec des piles. Donc montre un peu de plus près au petit copain, tiens, je vais le montrer. Allume-le. Voilà. Donc regardez les amis, comme c'est trop beau. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, c'est mignon, il y a des petites paillettes et tout. Donc c'est un petit garçon qui met l'étoile sur le sapin et son papa est en train de l'aider, je pense. Et il est assis sur un sucre d'orge. Super sympa. Alors ça coûtait vraiment pas cher, hein. Je crois que ça coûtait dans les 2 euros, vraiment, vraiment pas cher. Et moi, du coup, qu'est-ce que je montre? Parce que j'ai que des trucs gros. Bah vas-y, montre ce que tu veux, peut-être... Ça? Ok, bah Corentin, il a la même, tiens, tu peux montrer en même temps. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé ça? Le Papa Noël. Oui. Alors regardez. Comment ils sont? Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez m'expliquer un peu ce que c'est? C'est des Pères Noël où en fait... On peut, on peut les mettre dans le sapin. C'est moi qui l'ouvre quand t'as vu, il est pas encore. Moi aussi, tu peux l'ouvrir aussi quand t'as vu. Regardez. Oui. Alors, en fait, c'est pour mettre dans le sapin. Là on veut, en gros, pour décorer la maison. Voilà. Voilà. Donc en fait, ça s'éclaire. En blanc. Et c'est des petits personnages avec des LED, voilà, qu'on peut éclairer. Et après, il y a un petit truc. Voilà, avec le, là-dedans, il y a des piles. Et ça, et ben, on le met près, on le met loin dans le sapin, au truc, et après, bah, ça se verra pas, et on verra que par Noël. Ça, c'est des petits doigts. Voilà, donc à quoi ça ressemble? C'est un Père Noël. Et si vous voulez accrocher un mur, vous ventousez avec une petite ventouse. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que si... oui, fais voir la petite ventouse, en fait, c'est une petite ventouse qui est fournie avec. Et on peut même l'accrocher aux vitres en le mettant dans le petit trou, dans le petit appareil qui est ici pour éclairer. Voilà, donc ça c'est super sympa. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va le mettre, si on va le mettre sur le mur, si on va le mettre dans le sapin. Oui. Je pense que ce sera plutôt un élément de décor de mur au final parce que le sapin il va être très très chargé, tous les ans il est très chargé. Donc voilà, on passe au suivant. Alors ça c'était pas cher non plus, hein. Je crois que ça coûtait dans les 2 euros pièce. C'est vraiment, vraiment chez Action, c'est vraiment pas cher, on peut faire plein de décors. Voilà, et là et voilà, ça y est, t'as mis la ventouse. Ok. Et après là, hop. Bon, après, on continue avec quoi alors? Moi j'ai une... Je le mets là. Ah bah si tu veux. Au moins ça me fait un peu plus. Donc, moi aussi j'ai une cloche. Une cloche, bon ça c'est la même chose. Donc le même principe que le Père Noël de tout à l'heure. Oui. Donc c'est une décoration, une suspension qu'on peut mettre sur le mur, soit au sapin. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est une cloche. Alors regardez, celle-là, elle s'illumine pas en blanc, en rouge. Regardez. Voilà, donc là, elle est éclairée en rouge. Je sais pas si vous voyez bien, les amis.
Donc même principe. Voilà. On l'allume, on l'éteint et voici une petite cloche sympathique. Voilà. Alors, celle-là, on la mettra à la porte. Alors je sais pas. Alors ce sont des décorations exclusivement pour l'intérieur, le boot. Mais non, mais pas dehors, à la porte, à l'intérieur, à la porte. Bon, on verra où est-ce qu'on va les mettre. On ne sait pas encore. Ding. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va les mettre. Donc voilà pour les suspensions. Je crois que c'est tout pour les suspensions. On n'a pas fait d'autre chose. On continue avec quoi? Avec moi j'ai le truc le plus gros du coup. Bah vas-y. Vas-y. Ça? Non, ça. On garde le plus beau pour la fin. Ok, bon bah si tu veux. Donc Océane, qu'est-ce que tu as dans les mains? Celui-là, c'est moi qui l'ai choisi. En fait, c'est le train du Père Noël. Donc c'est pas un prénom, hein, c'est un train. Alors, le train du Père Noël. Est-ce que tu peux l'ouvrir pour qu'on voit plus? Oui. Et puis savoir ce qu'il fait aussi. Ici, là. C'est très fragile. Hein. Ah oui, il faut faire très attention, les amis. C'est très, très fragile. Alors, je crois que ce train, on l'a payé dans les 9 euros, c'est ça, non? Oui. Ouais, je crois que c'est 9 euros, donc voilà, c'est vraiment pas cher non plus. Bah, parce qu'en fait, il fait quoi, ce train? En fait, vous allez voir, donc... Sens-le doucement, doucement. Pas par le sapin, peut-être. Tire pas par le sapin, ouais, prends plutôt le... Tu peux aider ta soeur, si tu veux. On va déchiqueter le décor. C'est tu peux mettre de côté maintenant ça. Voilà, il y a marqué Primo. Try me, pas Primo. Non, il y a encore des fils à enlever maintenant. Ah, il y a encore des fils. Bah oui. Alors voici le train du Père Noël deux fois déballé. Alors ici, regardez, il y a des petites guirlandes toutes pailletées. Il est trop beau. Alors qu'est-ce qu'il fait ce petit train? Ici, on a le mode pour le tester, pour voir s'il a des piles. Donc regardez, il fait ça, il tourne. Il est à l'arrière aussi qu'il fait. Il tourne et en même temps, il fait de la musique. Et en il y a même la lumière. Temps aussi, il s'illumine. Donc il fait trois choses en même temps. Ou sinon, on a des modes là-dessous. Donc si on met sur ça, il tombe simplement et il s'éclaire simplement, donc il faut pas de musique. Et si on le met sur celui-là, il fait les deux en même temps, mais sans appuyer sur 0%. Voilà, donc en fait, il a deux fonctions. Il a une fonction avec ou sans musique, et puis il s'allume et il s'illumine. Alors, tu nous le montres de plus près, fais voir ma chérie. Tchou, et regardez, ça hop. Non, c'est pas, pas avec ce mode, ça s'éclaire devant. Deux secondes, regardez. Ah, on ne voit pas parce qu'il y a pas, il y a trop de lumière. Alors je vais vous montrer les amis. Donc de plus près, je vais le mettre en route. Donc voilà, là il s'illumine, il tourne. Et là, la petite, c'est ça que tu voulais montrer? Oui. La petite lampe de devant qui s'éclaire. Il est franchement trop mignon. Hein, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et là vous voyez, le cadeau tourne, le petit nounours, le petit... Voilà, la petite hôte du Père Noël, exact, Océane. Et là, on peut le mettre, donc, fait la musique. Alors, bien sûr, il fait pas que cette musique-là. Il en fait plusieurs. Il joue... Il enchaîne. Voilà, il joue Jingle Bells, Mon Gros Sapin. Enfin, je sais plus, je crois qu'il y a 12 musiques différentes. Mais on va peut-être pas le laisser tourner jusqu'à avoir toutes les 12 musiques, parce que ça risque d'être long. Ouais, donc, voilà. Mais c'est plutôt cool qu'il ait deux modes, un mode avec ou sans musique, parce qu'au bout d'un moment, la musique, je pense que ça va saouler. Mais bon. Ok, on continue avec Corentin. Avec. Non, parce que moi j'ai le plus gros. Non, Corentin d'abord, parce que je vais garder le. Alors, Corentin ou Océane? Le plus beau à la fin, je vais garder. Mais le non, plus mais beau. Océane, moi j'ai le plus gros. On s'est mis d'accord, donc c'est bon. Qui fait? Qui ouvre quoi? C'est bon, c'est Océane? Ok, bon bah c'est Océane qui présente le prochain objet. Oh là là, ouf, c'était dur de décider qui montrait. C'était le plus beau, je voulais le garder pour la fin, mais... Bah après, c'est pas forcément le plus beau, parce que celui de Corentin aussi, il est très beau. Oui. Alors on y va. C'est celui où maman, elle a craqué. Ouais, en fait, c'est moi qui ai craqué là-dessus. Donc, elle vous montre l'emballage, tiens, tourne-le. C'est un Père Noël, en fait, où il s'éclaire en plusieurs couleurs, en plein de couleurs, et il fait... Alors, je sais plus combien il fait de mètres, 11 balles et après on verra. Ouais, ben c'est pas mettre 5 centimètres. Donc on y va, on l'ouvre. Donc en fait, c'est un Père Noël qui va en fait, qui a des paillettes à l'intérieur, les paillettes à vous remonter avec un ventilateur, enfin c'est trop chouette. Et il change de couleur. Alors attention, par contre, c'est un peu froid. Oui, parce que forcément, c'est ton garage. Donc ouais, c'est un peu froid, donc voilà comme il est beau.
Il est magnifique. Est-ce que tu... J'enlève moi la buée. C'est pas froid ça. Est-ce que tu l'éclaires? Oui. Donc il est où petit? Alors lui il ne fait pas de musique. Hein. Oui, regardez. Il s'éclaire simplement et ça s'anime les paillettes. Regardez comme c'est beau, il est trop beau. Hein. Et à chaque fois il y a deux couleurs, il y a deux couleurs. Alors fais voir, tu me montres un peu plus près. Et c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de le secouer. Alors très voici bien, les amis à quoi il ressemble. C'est bien parce qu'on n'a pas besoin de le secouer. Non. Et voilà, donc moi je vous propose d'éteindre la lumière pour mieux voir parce que là on voit pas très bien. Alors attendez, je vais éteindre les éclairages. On éteint. Une, deux, et voilà, regardez comme c'est beau. Et regardez en dessous, il y a deux couleurs derrière. Il est trop en gros, il y a deux couleurs. Magnifique, moi j'adore. Franchement, j'adore. On passe au suivant? Oui. Oui. On rallume. C'est plus gros, mais... Oula. Hop. Et voilà, ça y est. Donc, le dernier pour la fin, le plus gros, il est immense, immense, immense. Donc, vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est comme le train, c'est quelque chose qui s'anime. Ok, bon, bah vas-y, ouvre-le. Mais, alors, moi, il y a plein d'éclairages et il y a des skieurs, normalement, qui passent. Et aussi, la montagne, elle est en forme de bonnet de Père Noël. C'est un bonnet. Et oui, c'est un bonnet village en fait. C'est un bonnet piste de ski. En fait, je peux vous dire un truc? Oui, vas-y. En fait, c'est pas vraiment qui passe dans tous les trous en fait. C'est deux petits roues. En fait, voilà, il passe dans les trous, les skieurs. Enfin, vous allez voir toute manière comment on va le sortir de son emballage sans le casser parce que c'est fragile. Attention, et voilà. Alors on peut mettre tout sur le canapé, à plat, l'emballage. Tout. Oui, pour les sirènes. Et là en fait, il y a un beau bonnet de Noël. Et voilà, le bonnet du Père Noël. Donc là, il y a des petits skieurs normalement qui passent. Et il y a plein de lumière. Bah, tu peux peut-être le mettre en route derrière. Parce qu'en fait, il y a un mode pareil, démo. Il y a un mode démo et puis il y a un mode, voilà. Donc ça c'est le mode avec lumière et musique. Regardez comme il est chouette. Et là on a un deuxième mode qui est le mode... Sans musique. Voilà, sans musique. Et aussi la petite voix qui elle s'éclaire. Ouais, c'est chouette. Mais normalement en fait c'est que des disques et c'est programmé. Donc en fait on dirait qu'ils descendent. Oui, c'est ce que je voulais dire. Zéa, tu crois que je te vois pas avec le polystyrène en train d'essayer de faire le en fait, Océane, elle est comme ça, elle regarde sur le côté, elle se dit oh, maman, je vois pas peut-être. Alors, fais voir de plus près à quoi ça ressemble. Et voilà, les amis. Donc, le. Oula, il est énorme. Hein. Pas dans le cadre. Voici le chapeau de Noël de Corentin. Et derrière, je vous montrerai. Voilà. Donc, on voit bien que c'est un bonnet de Père Noël. Hein, là. Il est chouette, hein. Franchement, j'adore. Ah bah là il change de musique, tu vois. Et là c'est We Wish You a Merry Christmas. Comme si je la connaissais pas. Les amis, nous avons terminé. Et oui, ce petit haul, on en a plus. Ça y est, on a tout déballé. Je trouve que c'est déjà pas mal quand même, hein. Dites-nous dans les commentaires, vous pouvez nous dire quoi dans les commentaires. Bah s'ils ont acheté les mêmes décos. Ouais, puis lequel est votre préféré? Pourquoi pas? Alors moi, mon préféré de tous, forcément, c'est le Père Noël qui s'éclaire. Toi, Corentin, c'est lequel? Moi, c'est le bonnet. Ouais, en fait, c'est Corentin qui l'a choisi au magasin. Et Océane, toi, c'est quoi? C'est le Père Noël. Le Père Noël aussi, au final? Parce que Océane avait choisi le train du Père Noël. Au final, tu préfères le Père Noël. Mais dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé aussi cette vidéo, lequel vous préférez. Si c'est le cas, si vous avez aimé, vous pouvez faire quoi? Mettre un petit pouce vers le haut de neige. Nous, on va aller décorer la maison parce que ben avec voilà. Plein de polystyrène. Gata. Oui, c'est oui. Ça. Donc on va aller décorer la maison, on va faire le sapin, on va laisser. Et puis ben si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et on